Pas élection, ça c'est que droits humains. 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 Comme politique, nous disons nous là, comme dit CPCA, nous obligons de respecter l'élection démocratique. Si l'élection est aux gens qui passent nos élections, si l'élection est aux gens qui passent nos élections, sans contestation, aucun secteur droits humains, aucune organisation droit de l'homme, pas contester choix, c'est des gens comme représentant nous, CPTA lui-même, le Bob Grill, ou bien avec Manigans Lee, pas à décider pour écarter Gédéon Jean. S'il y a écarté Gédéon Jean, et même M. Frenet Charles, s'il candidat, soit pour président, pour sénateur, ou bien pour député, et même quand il y a ça, qui commence avec Margou Gilles. C'est pour une question de principe, c'est ces principes-là. Nous ne pouvons pas ensemble organisation voter au monde et puis pour un groupe de monde arriver pour dire que les gens ne sont pas d'accord avec son autre communauté. Donc, dans un système démocratique, nous ne sommes pas d'accord avec ça comme les gens qui défendent les droits. Il y a un groupe de monde qui dit qu'ils défendent les droits et puis c'est encore qui violent les droits. Donc, les droits ne peuvent pas continuer à violer pendant que nous-mêmes nous disons qu'ils défendent les droits. Nous avons des droits. Comme organisation, l'État reconnu qui baille papier pour nous dire que nous avons monde pour représenter nous le conseil électoral. Donc, pas qu'il y ait une tierce personne qui dit que ça, il n'y a pas qu'à aller. Donc, c'est ça qui marque la présence. Là. Et je fais nous connaître que pas grand-chose qui peut tirer parole dans le bouche comme défenseur des droits humains. Pour quelle que soit la situation, je suis toujours là, je suis toujours parlé en faveur des droits humains. Donc, ça, c'est un mauvais précédent. Si vous êtes d'accord, l'élection est venue, vous retirez les gens qui passent, vous mettez l'autre monde qui passe, ou pas gagner le droit pour dire que ça n'est pas bon. Donc c'est pour déjà combattre depuis le commencement. Donc c'est ça que fait nous là. Nous disons que ça n'a pas passé. Et dans Boumé, c'est la guerre déclarée et la guerre ouverte dans Boumé jusqu'à la fin. Alors, qui vous a fait la guerre? Qui voulait camper et contre décision ça? Non, non, je ne vais pas aider ces personnes parce que samedi avant décision ça, après, vous avez invité nous pour venir faire explication sur comment ça s'est passé. Nous avons fait explication et puis ils étaient édifiés de ça qui s'est passé. Je te rappelle pour nous. Hein? On te rappelle pour nous. Samedi, qui était avant que votre salamandre qui était sur le passé, CPT a été invité nous là à la villa d'accueil pour nous venir expliquer ça. Nous avons venu expliquer comment le processus a été fait. C'est un processus qui était déclenché que pas de camper. Et PYG a arrivé en mi-temps route parce qu'il n'a pas de contrôle tout le bagage et puis lui-même ne dit pas venir. Donc nous-mêmes, comme nous responsables, et le pas de fait cas de nous comme organisation en copie. Parce que l'organisation en CCO, il y a tout le monde qui a fait inviter, il faut venir. Et puis lui-même n'est pas de et pour le arriver là route parce qu'il n'a pas gagné contrôle processus là, il a l'école. Si je suis là, je vais arriver à vous descendre. Et puis, je suis là, je vais aller. Respecté. C'est pour nous dire qu'en est-il pour la population. Et nous avons dit qui ça? Si je dis un secteur de droits humains, ils sont capables de violer les droits de nous en tant que chef d'organisation, en tant que représentant d'organisation, en tant que leader avisé. Je dis à Nabdi, qui c'est le pays qui fait? Est-ce que votre peuple a pour respecter? Je dis à Nabdi, ça vous est clair que les gens ne veulent pas stabilité dans le pays, ils ne veulent pas organiser les questions d'élection dans le pays, ils ne veulent pas les questions du conseil électoral dans le pays. Donc, c'est parce que c'est pour ça que c'est pour l'instabilité dans le pays. C'est ça que je dis. Ils ont décidé de mettre le secteur des droits humains de côté. Et Nabdi, c'est bien compté, mal calculé. Parce que je dis, le secteur des droits humains, il faut qu'il représente dans le pays. Valablement,
avec votre population, avec votre organisation, qui c'est 86 organisations, côté que tu as gagné 81 organisations qui te fait choix de mettre GDO. Et je dis à nous dire nous-mêmes, cap défendre droit monde, droit ne pas violer, parce que pour des monde qui pas ni lecture ni écriture, qui comprennent que ils sont capables de violer droit nous parce que y a une question zamitaille avec ces pays. N'a pas dire que dossier tout le monde là, je dis, tout le monde qui a monté dossier, et nous mettons nous ingénieurs, nous sommes avocats, nous sommes chercheurs, nous sommes enquêteurs, nous sommes politologues, nous sommes diplomates, nous sommes toutes sortes de monde qui est dedans nous, qui sont des monde qui éduquent, bien formés, qui à l'école. Et bien je dis, nous pas quitter n'importe monde, faire ça habitué, faire depuis notre temps passé, depuis de 25 ans, que je dis, c'est qu'on fait sélection pour vous représenter, pour faire magouille dans ces pays. Et bien je dis, nous dit, nous-mêmes en tant que organisation qui défend droit monde dans le pays, nous ne pouvons pas quitter pour ça à passer parce que le droit n'est pas qu'à violer. Et si vous violez le droit monde qui défend l'autre et population, qui défend qui ça qui est pour avec le pays, eh bien, nous dit qui ça va régler dans ces pays. Qui c'est un peu on voulait faire? Est-ce que c'est pour aller choisir les gens pour aller craser les pays? J'ai habitué à faire déjà pour aller faire corruption. Eh bien, nous disons nous-mêmes, je dis, ça c'est un chauffement, j'arrête qu'elle y est. Et nous continuons la bataille parce que je dis, l'éclair, sans secteur droit humain, pas gagné CEP. Sans secteur droit humain, pas gagné CEP. Et nous disons, sans mettre GDO, vote nous quand nos élections qui étaient faites démocratiques, qui étaient faites avec transparence. La presse est là. Donc, tout le monde est là. Membre du PHDH est là. Et avec OCNH qui a été choisi pour mener le processus là. Et bien, je dis, il y a eu une élection avec toute transparence. Et votre majorité là, il y a eu le choix de mettre GDO. Quand il y a choisi un monde qui est crédible, qui est capable, qui pourra représenter le secteur des droits humains. Donc, un, droit à la participation. Démocratiquement, GDO élu dans le secteur assez bas. GDO. Et bien, possibilité pour le représenter ce secteur. Quel que soit le monde qui t'a fait manœuvre, qui t'a voulu faire tentative pour écarter M. Léon, je dis à la sortie avant-goût. Je dis à la sortie, signal. Et l'autre temps qui part trop long, n'a pas gardé le rapport et OPC sorti, notre OPC sorti. Demandez, sans condition. Faut que M. Léon faut respecter la voix. Oui, oui. Pas la majorité. Nous parlons des organisations par légal. Même l'élection qui est faite pour ces gilabla. Ces gilab c'est une membre POHDH. Toute organisation ça qui participe là, t'as eu des critères qui t'ont érigé par POHDH même si nous parlons de ces gilab c'est POHDH. Mais puisque on t'a gagné, moun pa yo qui était en bonne position, déposé moun pa yo qui était passé, yo t'a accepté l'élection. Pour qui ça? Parce que moun pa yo était en majorité. Mais là nous gardons, moun pa yo tellement gagné, mauvais note, t'a gagné mauvaise affaire, yo fait dans ce secteur. Yo réussi, yo pas besoin de moun sa yo encore. C'est moun net, c'est moun qui propre, c'est moun qui clair, nous besoin. Haïti passe trop de misère, nous fait Haïti souffrir trop, à mauvais moun. Regardez, organisation sa yo là, statut yo légal. Et puis, il y a des papiers à faire social. Il y a tout ça qu'on te demande. C'est ça qui fait qu'on est capable de voter dans l'élection. Tout ça qu'on te demande est légal. Tout le bagage est légal. Bon, qui peut. C'est parce que, nous avons jugé, ouais, il n'y a pas de contrôle de majorité. Il y a tout ça qu'on demande, nous avons tout. C'est ça qui fait. On pète coquille, on pète couille. Mais couille, pas couille, élection est faite. Élection pas contestée. Bon, même candidat par là, qui c'est Fred Jean, il a élection. Il n'y a pas désisté, il fait des voix qu'on a voulu prendre pour opposer nous. Comment? Regardez ça, pas passer. Nous demandons de mettre GDO gens rapide, pressé pour le conseil électoral là. Bye. Sans mettre GDO gens, pas de élection. Je vais vous montrer.
ministère intérieur, c'est nous-mêmes. Pendant le premier ministre là, rentré là, en même temps, ministre intérieur, nous sommes là chita avec un paquet de monde qui n'a pas même rien à revoir avec le ministère intérieur. Nous disons, si le ministre intérieur a besoin de 50% de ministère, il faut que le chita avec nous avant. C'est nous pour qui disons, mais comment le ministère a marché? Parce que les gros autobrés ne pas descendre dans le ministère. Et depuis avant, c'est dans l'hôtel qu'ils ont chita. Il y a un problème de personnel là. Mandez qui monte qui est ticat et qui monte qui bagaine. Eh bien, fois ça, nous disons c'est bien qu'on est mal calculé. Nous campons aux outils, c'est pas pour nous gommer avec le tirer coup de pied, tirer coup de roche. Mais nous campons aux outils, nous disons faut que nous gommer pour tout contractuel dans le ministère intérieur capable de nommer. Faut tout ces personnel là, un pour exemple, yon qui a 3 ans dans boîte. Il n'y a pas jamais nommé. Chaque année, on demande, il faut la goumer. Les tontons, parrain, ma tante, bon père, bouche pion, pour être capable de renouveler. Contrôle. Ça veut dire, dans qui paye, on a vivre. Nous-mêmes, nous disons, les outils, ça que nous campions. C'est pour défendre le droit tout employé ministère intérieur. Et je vais vous un message à tout le service qui est dans le ministère. Tant qu'on a une immigration, conseil de bagaille qui a passé là, si on va rejoindre le syndicat, comme il commence triste pour eux, il va le plus triste. Comment on va comprendre? Les gens, Haïti, moi, je ne veux pas respecter les droits. Ils ont employé l'immigration, après prendre Biden pour être capable d'aller aux États-Unis. Dans quel pays dans le monde là, nous connaissons les gens qui travaillent dans le système d'immigration, il y a une limite pour voyager. Hein? Alors, moi c'est agent d'immigration. Même là, c'est un domaine pour m'aller. Il faut que je me goûte pour me traverser. Eh bien, c'est bien qu'on est mal calculé. Nous-mêmes, nous disons, tout le monde, rejoignez-nous. Et puis, nous ne parlons pas de ce bingo, non, parce que nous-mêmes, là, nous parlons, nous respectons ça, nous disons. Nous disons, ministre de l'Intérieur, qui c'est M. Gariconi, attention, attention, ressaisissez-vous, parce que où ça reprend, en dehors de nous-mêmes, qui montent la boîte là, c'est nous-mêmes qui sommes capables de tout le monde. Qui en déboîte ça? Ou négligez nous, ou elle prend gros autobrio. Gros autobrio est flané à flané. Il n'y a pas de problème. Rien. Tout est ministère intérieur. C'est le département d'État haïtien lié. Ou même Pentagone, j'en offre les lèvres là. PIA, c'est nommé nous lié. Je ne veux pas dire cartouche capable de tirer Tigouave. Pas mon chef dans le ministère capable de connaître. Qui raison qui fait cartouche ça tirer? Eh bien, nous-mêmes nous disons, ministre là, j'outis ça que nous montons là, nous tous net, si nous voulons que tout ça qui passe dans le pays, nous sommes capables de connaître. On cartouche tirer Tigouave, nous sommes capables de téléphoner, même si l'autorité dans Tigouave, ça qui passe là, pas de téléphoner une cartouche. C'est où le ministère? Territoire, c'est sous contrôle. Ça qui passe là, qui ça connaît? Hein? Nous disons, ministre intérieur, attention, nous avons des outils pour le ministère intérieur capable de prendre figure. Pour le ministère capable de jouer au rôle. Ce n'est pas le chita dans l'hôtel Flané, fait si jeune gens, si c'est là, tu as jamais fait là. Égal là, nous-mêmes, pour finir, nous débattons au mot d'ordre. C'était payé, nommé. Je ne dis pas là, nous disons, fuck tout. Contractuel ministère intérieur nommé fonction jeune ticket assurance santé pour tout le monde capable de jeûner. Si il y a une question, n'attendons la personne. Salut, courage, chaque journaliste et chaque travailleur dans le ministère intérieur. Syndicat travail ministère est thémique,
c'est un outil femme et garçon. Travailler dans le ministère, mettez campé pour défendre le royaume dans sa partie. Pendant plusieurs années, nous chaque table bataille dans façon par nous, après tout constat, après tout échec, nous décidons de regrouper nous en syndicat pour nous mener la bataille pour le ministère qui reprend l'escampé. Nous constatons, depuis après gros dégâts qui finissent passer dans le bâtiment ministère intérieur, ou pas senti ministère ça existait encore. En pile de travail, yo la gen dans la rue. Parce que pas gen assez espace pour yo vinn travailler. Gen un parti qui coincé ko yo dans local immigration sous la rue. Mais autorité yo pas ba yo rien pour yo. D'ailleurs condition à travail là, c'est un bagage qui grave. Et puis tout gauche à braque. Prend un groupe mercenaire dans ministère Mahon. Si côté au loger quelque travailleur parce que là pas espace pour yo mais au vin travail yo loger dans l'hôtel à l'autre côté syndicat travail ministère intérieur collectivité territoriale ST MIC pas là pour défendre aucune autorité ni pour coumer avec yo mais nous là pour nous faire entendre la raison jodi a c'est avec en pile la peine. N'a pas prendre une série de décisions qu'a prendre un ministère qui pas cadré à la réalité moment. C'est ça que fait n'a demandé à ministre docteur Gary Conné qui c'est ministre intérieur et à la fois premier ministre et n'a demandé directeur général là monsieur Anglade où il a prendre ministère ce chemin pour éliminer ministère net. Jodia problème ministère après résoudre. Les nous choisissons chita à travailler ensemble pour nous regarder les problèmes et puis pour nous résoudre ensemble. Je dis à ministère n'a pas qu'à répondre à la mission liée tant qu'on contrôle, assurer la sûreté de l'État et puis gestion, accompagner la collectivité. Parce que y a un groupe, ces affaires l'argent seulement. Ils gèrent dans le ministère. Si question revendication de travail, pas regarder. En tant population, ce n'est pas pour vous. Syndicat travail, intérieur, collectivité territoriale, STMIC, a bataille pour ça changer dans le ministère. Question marine avec parrain, l'enfant, ça fini. Je dis à nous demander à l'autorité ministère, nous avons une série de travail contractuel dans le ministère qui a 5 ans, 10 ans, qui n'a jamais nommé. Parce que vous n'avez pas de marine avec parrain. Si tout nous même petit personnel là, tant que ménager, sécurité, portier, avec l'agent liaison, plus chargé de mission, nous avons traité à part pour vous. Je dis à nous demander nomination pour tout ça, pour tout le monde. A qui là, à qui répond, à qui est ça. Qui travaille, qui a pile capacité, qui a pile année, à bail service dans le ministère. Mais vous n'êtes pas jamais capable de jouer une promotion. Parce que vous n'avez pas gagné un ministre avec un directeur, vous avez une relation avec vous. Faut que ça fini. C'est pour une promotion pour tout travail ministère qui qualifie pour ça. Pour finir, syndicat travailleur, ministère intérieur et collectivité territoriale, STMIC, a demandé à un ministre, directeur général, ADM, pour bailler tout travailleur contractuel actif dans le ministère, yon 4. Débit sans perdre. C'est pour le nommer tout contractuel qui répond à critères. C'est pour le travail qui qualifie au joint promotion. C'est pour augmenter le salaire tout travailleur, si tout si personnel. Bataille pour conditions de travail dans le ministère intérieur a changé. C'est bataille pour nous-mêmes dans le syndicat de travail dans le ministère intérieur. Nous demander pour nous tous lever la main ensemble. Pour tout le monde porter solidarité en deux batailles ça parce que bataille ça c'est pour vous.